Voilà, donc on le place dessus, ça ouvre les portes. Donc c'est une voiture automatique, on pousse en avant pour la marche avant, on pousse en arrière pour la marche arrière. Ici, il y a une petite collerette pour la sécurité, pour éviter que la voiture démarre toute seule si on tape dedans. Un badge, quelques règles de conduite élémentaires et c'est parti pour une petite virée en voiture électrique dans la ville de Rueil-Malmaison. Eric Gang habite pleine gare et il utilise ce système pour la première fois. J'ai vendu ma voiture et donc en attendant, je trouve que c'est pas mal pour aller dans Rueil faire des courses. Voiturette de place à la forme cubique, la Mouébus est facile à conduire. Ça roule tout seul. Hein. Tout y est automatique. Mais attention, ne vous attendez pas à faire du record de vitesse, c'est pas le but. La Mouébus est avant tout une voiture de ville, pensée pour faire de courtes distances. Depuis le mois de juillet, 5 petites citadines comme celle-ci circulent sur la ville. Le principe est simple, ces voitures appelées Mouébus sont en libre service. Le client paye en fonction de son temps d'utilisation. À 0,15 centimes d'euros la minute, ça fait 9 euros de l'heure, en plus des 10 euros d'abonnement par mois. On a beaucoup de petits artisans ou d'agents immobiliers, par exemple, qui utilisent le service pour, au lieu de gérer une voiture à l'année, en fait, ils prennent un véhicule disponible dans la rue pour emmener un client visiter un appartement et ils reviennent. Pour l'emprunter, c'est simple, là aussi. Le client s'inscrit à l'agence Vulog, près de la gare RER, avec seulement son permis de conduire et un chèque de caution. Il réserve ensuite son véhicule par téléphone ou par internet. Nous recherchons un véhicule près de vous. Les voitures disponibles sont stationnées dans l'une des deux zones couvertes pour l'instant par Vulog, Rueil-sur-Seine et Rueil-Centre. Si l'expérimentation menée avec le soutien de l'Institut français du pétrole et la mairie de Rueil-Malmaison fonctionne bien, d'autres véhicules électriques, en tout une quinzaine, pourraient bientôt arriver sur la ville.